Raccoon Times, courrier des lecteurs. Chère rédaction, je vous écris car je suis inquiet, très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où emmener ses enfants le samedi. Il n'y a pas de magasin plus populaire, à part pour notre portefeuille, que Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours de vent, l'immense tête au-dessus du magasin oscille dangereusement, à croire qu'elle n'est retenue que par deux vis. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'affluence, je n'ose imaginer le drame que pourrait survenir. Je me suis déjà plaint 3 fois auprès du gérant, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réagisse? Si des têtes doivent tomber, autant que ce soit celle du gérant. J'espère que quelque chose sera fait. Timothy Wells, 69.